Dinguerie, les RPG en concert cette année. Ouais. Bienvenue dans cette petite vidéo annonce. Du coup, vous l'avez compris, vous l'avez vu sur la miniature, vous le voyez à ma tête, je suis heureux, les RPG ont une seconde vie. Nous partons en concert, voilà, le 14 et 15 octobre de cette année, les RPG sont en concert. Voilà, je vais répéter trois fois pour que vous le compreniez bien. Ça se déroule dans une petite convention, ce sera la première édition. Ça s'appelle la convention de Château Landeil, édition 2023 du coup. Et c'est géré par notre ami Kobo Cosplay, qui est un cosplayer de renom, qui nous a donné l'autorisation pour nous incruster en ce beau séjour d'octobre. C'est quelque chose que je suis très très content évidemment de vous annoncer. Avec l'équipe, on est chaud de night, on s'est déjà vu pour répéter et puis pour un petit peu organiser ça. Donc j'ai bien conscience que c'est annoncé à 3 mois de l'événement et que c'est un petit peu isolé. Mais dans tous les cas, c'est surtout un moyen pour nous de nous entraîner dans un endroit qui n'est pas forcément très très connu, hein. Évidemment c'est pas la Japan ou quoi. C'est un endroit qui est assez isolé, donc je vous communiquerai pour ceux qui sont intéressés de venir évidemment les moyens d'y aller, de comment est-ce que vous pouvez dormir quelque part, etc. Comment ça va s'organiser. En tout cas, nous on est très très heureux de pouvoir y participer. Alors comment ça va se dérouler? Ce sera sur le samedi et le dimanche. Le samedi, on sera sur scène certainement en début d'après-midi, pardon. Une manière de s'échauffer un petit peu, un concert un peu plus light. Et le dimanche, on donne tout, ça durera plus longtemps. On aura une stage à nous, voilà, avec vidéoprojecteur, micro, etc. Petite mise en scène, incroyable. J'ai vraiment du mal à réaliser ces genres n'importe quoi. À l'occasion, du coup, j'ai rencontré Femi et Greenfort qui habitent sur Paris. Narjita sera également de la partie, ainsi que Zen. Voilà, on sera tous les 5. On sera pas forcément tous les 5 sur scène, en tout cas on est tous les 5 à le préparer. Des visus sont en préparation aussi pour pouvoir promouvoir un petit peu ça sur les réseaux. On a des artistes qui tapent dessus, et encore merci énormément à eux. Ils seront cités évidemment quand j'aurai les visuels à vous présenter. En tout cas, les infos importantes, c'est que c'est du 14 au 15 octobre à Château-Landon, une petite ville dans le nord à peu près vers Paris. Et du coup, la convention s'appelle le Château Landeil, ce sera la première édition officielle. Il y a eu une édition l'année dernière, c'était un petit truc organisé vite fait en brouillon. Et là, cette fois, ce sera géré par l'association Upupide. Et du coup par Kobo Cosplay. Voilà. Donc il y aura plusieurs événements, il y aura des concours cosplay, il y aura des trucs beaucoup sur le jeu vidéo, etc. Ça se situe à l'extérieur, à l'intérieur dans un gymnase. Et nous on sera en intérieur pour vous présenter un RPG concert édition 1. On verra si on en fait plusieurs, si ça nous plaît ou pas, hein. C'est le premier chapitre d'une double annonce que j'ai à faire cet été. Je prépare la deuxième partie de cette annonce en ce moment même, mais vous verrez, il y a plein de surprises pour vous cet été, tout concerne les RPG, voilà voilà. En tout cas, la première partie, c'était cette annonce vis-à-vis du concert. La tracklist reste secrète, on a sélectionné pour vous le meilleur des RPG et ce qui passerait le mieux sur scène. On s'est beaucoup entraîné, en fait aucun RPG n'a jamais été écrit en pensant à faire sur scène, ce qui fait qu'en termes de respiration, il va falloir adapter beaucoup de choses, mais je suis entouré de gens très talentueux, ça c'est sûr. Et du coup, plein de battles qui ne sont pas du tout faisables le seront comme ça. En tout cas, je peux déjà vous dire quel battle ouvrira le concert. Ce sera le chapeauté contre Meta Knight et je ferai la chapeauté. Voilà, j'espère que vous êtes chaud. Je vous transmets au plus vite sur l'onglet communauté et sur tous les réseaux les plans d'accès et la logistique du concert. En tout cas, je remercie encore une fois Kobo Cosplay et son association pour nous permettre de nous produire sur scène. C'est vraiment très très hypant, il y a beaucoup de choses à fignoler, c'est un petit peu encore le stress, mais j'espère que ça intéresse quelques-uns d'entre vous. Je sais qu'il y en aura pas mal qui feront le déplacement, donc on fait tout pour vous accueillir de la meilleure des façons. En tout cas, je vous dis à très très vite pour la deuxième partie de cette annonce, le mois prochain. Et d'ici là, passez un bon été, ne mourrez pas sous la canicule de mort et ne vous faites pas bouffer par trop de moustiques. Allez, ciao ciao !